Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, j'ai fait tomber un petit truc. Alors, on se retrouve pour des ouvertures de... Je vais faire deux vidéos à la suite. Des ouvertures de participation. Voilà, j'ai reçu cette participation-ci de Marie-Noël. Donc, Marie-Noël du 56. Voilà, de toute façon, tu reconnaîtras ta boîte. Voilà, tu as le numéro 31. Voilà, donc je vais ouvrir. Là, voilà, je regarde comment est-ce que c'est fermé pour ouvrir avec logique. Je pense que ça doit être là au milieu. Voilà, voilà. Si c'est comme ça. Voilà. Donc tu as le numéro 31. Je vais bien le marquer. Voilà, 31. Marie-Noël. Alors, hop, déjà la petite carte. Waouh! Oh, c'est trop mignon. Oh, regardez-moi ça. Alors, attendez que je vois comment elle s'ouvre. Regardez comment c'est trop mignon ça. Beau papillon. Oh là 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 là, il y en a des petites choses rajoutées. Ouh, c'est trop bon ça. Alors vous avez donc une vase de cartes. Il est trop beau le papier, j'adore. Regardez-moi ça avec ces petites roses. Oh, trop mignon, trop beau, j'adore. Ensuite, elle a mis... Alors, il y a plein de petites choses. Il y a de la dentelle blanche. Ensuite, il y a du... Pas de la dentelle, c'est du... Oh mince, j'en ai plein de mon beau-frère parce qu'il était tapissier, il utilisait beaucoup de choses comme ça pour les fauteuils, tout ça. Bon, j'ai avalé, non mais bon, on va dire que c'est du ruban, mais c'est pas du ruban que ça s'appelle. Vous avez des petits strass, là, alors, ça fait comme une petite découpe en accordéon. Et il y a la ficelle qui passe dedans, qui part de là, hop, 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 et qui s'arrête ici par un nœud. Les deux petits papillons, voilà, super joli, avec les petits strass au milieu. Là, une belle découpe avec du glitter doré. Encore des petits strass. Là, il y a une autre découpe rose. Et là, les petites fleurs qu'elle a dû découper et colorier elle-même, je pense. Ouais, c'est colorié. Et donc, les petits strass, c'est très joli. Donc, et l'oiseau, regardez l'oiseau comme il est beau. Alors, attendez, il y a mon petit mot. Alors là, comme ça, hop là. Donc, hop, le papier, il est comme ça dedans. Je vous laisse regarder la petite carte. Je lis vite fait mon petit mot. Ah ben oui, là, oui, on passe du temps dans le jardin, malgré que, depuis quelques jours, il ne pleut pas, mais il fait froid. Hein. Quand on est dehors, fou. Oui, ben oui. Ça, c'est bien. C'est vrai que quand on est âgé, après, moi, je vois quand je travaille chez les personnes âgées, c'est vrai que quand vous avez les enfants qui habitent loin, eh ben, il y en avait pas mal de personnes chez qui je travaillais qui avaient ben, une voisine. Souvent, c'est des voisines parce que souvent, il n'y a plus de famille où la famille, elle est loin, en fait, et les enfants aussi, les petits-enfants. Et c'est vrai que... Eh bien, c'est bien quand ils peuvent avoir quelqu'un comme ça à côté sur qui ils peuvent compter. Oui, ben pour les ATC, de toute façon, là, comme j'ai dit dans... causerie du dimanche, enfin dans une des causeries du dimanche, ou même quand j'ai fait la préparation des ATC, hein, ce que je dis là pour l'instant,
comme là, il va avoir le concours déjà, enfin, il va avoir, il y a le concours qui est en route. Ensuite, là, je vais me déplacer, donc je vais être absente un peu, donc il y aura même des fois où il n'y aura pas de vidéo, tout ça, donc j'ai pas vraiment le temps de gérer ça. Mais sûr que au plus tard, vraiment au plus tard, à la fin de l'été, je ferai une vidéo où je proposerai mes ATC à l'échange. Voilà, j'espère en faire d'autres, j'en ai déjà pas mal à échanger, et donc, mais je préviendrai d'avance. Je préviendrai d'avance quand je vais mettre la vidéo, comme ça, celles qui veulent bah, faire des échanges, et ben voilà, vous, les premières arrivées, les premières sortes servies. Voilà. Oh, c'est gentil. Oh bah écoute, c'est vraiment c'est adorable. Vraiment, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Trop, trop gentil. Ah, oh, mince, ça s'est décollé. Je ne sais pas d'où il vient. Ouais, peut-être de là. Je regarderai après. Elle s'est décollée de quelque part, mais je regarderai après, je la recollerai. Alors. Oh, je pense que ça, c'est ta participation. Voilà, c'est trop beau. Oh, c'est trop joli. Oh, regardez-moi ça. Oh là là, c'est trop beau, regardez. Le petit service à thé avec les gâteaux. Oh, c'est trop mignon. Et c'est une boîte à thé. C'est la boîte à... On met le thé comme ça. Oh, c'est trop mignon. Alors là, vraiment, c'est trop chou. Regardez, la boîte est là. Et là, en fait, hop, on se sert comme ça. Hop. Oh, c'est trop, trop gentil. Oh là là. Regardez-moi ça. Oh, en plus, tu me l'as rempli de thé. C'est vraiment... C'est trop, trop gentil. Hop. Vraiment vraiment très 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 beau. J'arrête pas de dire vraiment vraiment, mais c'est vrai, je sais pas quoi dire d'autre. Je trouve que c'est, ah, il fallait y penser. Elle est magnifique, ta boîte, hein. Et puis les papiers, ils sont trop trop beaux. Puis l'idée d'avoir collé la tasse à thé, c'est trop, j'adore, j'adore, c'est magnifique, vraiment magnifique. Hop, alors là. Hop, on dirait une bobine. Oh. Ah, c'est pareil, c'est trop mignon. Alors. Ah, ensuite, ça colle à mon pull. Alors, hop, je défais et regardez, c'est comme ça. C'est rigolo, c'est trop mignon. C'est un, je saurais pas trop comment dire ce que c'est, mais c'est super original. J'aime beaucoup. Vous avez des petits papiers. Alors peut-être que ça a un nom. Enfin, moi, à part une bobine altérée ou je sais pas quoi, j'adore ces bobines de fil. J'en ai plein des très vieilles comme ça. Et donc, hop, avec du ruban, et puis hop, c'est décoré avec, là, c'est des papiers, des petits bouts de tissu brodé. Voilà, la même broderie que là. Vous voyez, ça a été tout surfilé autour, et hop, on tourne. Et de ce côté-là, c'est pareil, vous avez des gouttes, vous avez toujours des petits papiers, des petits bouts de tissu brodé, des boutons, petits papillons, hop, des petites gouttes d'eau, et puis la petite dentelle, là, c'est super joli. Et donc, hop, on enroule. Trop mignon. C'est original. Hop. Alors, je vais bien mettre. Je fais passer comme ça. Hop, c'est laquelle qui va. Bon, il y a peut-être pas une spéciale qui va devant ou derrière, parce que des fois. Voilà, hop.
super joli. Et là, vous avez les boutons à l'ancienne. C'est très joli. Hop, une petite déco. Ah bah ça, c'est gentil. Merci beaucoup pour les madeleines. Ah, trop, trop cool. Mon café, bah pour mon 4 ans, mon café de 4 ans, il sera avec des madeleines. Alors, après, hop, je vais garder. Bah, les madeleines, je remets toujours tout dans les cartons, dans les colis, que je laisse de côté jusqu'au moment du tirage. Mais bon, les petites madeleines, ça, je les garde. Non, je ne les remets pas dedans, évidemment. Alors, ça, hop. Une petite pince avec un petit cœur, c'est trop trop joli. Donc le thé, l'heure du thé. Et c'est des petites enveloppes. Alors je vais voir comment c'est. Alors comment je vais ouvrir. Alors, hop, comme ça. Je ne peux pas ouvrir du bas. Alors attends, je ne fasse pas de bêtises. Alors, non, ça s'ouvre par là. Ah, non, je suis obligée d'enlever la graffe. Voilà. Alors. C'est des petites pochettes, des petites enveloppes. Hop. Ah oui. Petites enveloppes avec un petit tag. Hop. Regardez, c'est mignon. Et ouais, ça peut faire des petites pochettes à thé. Hein. Là, quand on va envoyer deux petites pochettes à thé à des copinettes. C'est très mignon, c'est original. Hop. Là, on remet comme ça. Là, hop. J'ai essayé de remettre à peu près comment tu avais mis, parce que c'était joli, comment c'était présenté. Là, là. Là, comme ça. Voilà, hop, là et là. Très, très mignon. Hop, 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 hop. Voilà, là. Ça, c'est mignon. C'est encore, hop, une petite... Oh, c'est original. La fermeture, elle est hyper originale. Ça fait un petit cœur là. Quand vous soulevez, vous voyez, hop, ça s'ouvre. Parce qu'il y a deux petits trous là. Et vous avez les deux petits, les petites bandes là qui rentrent dedans. Et c'est ce qui bloque l'enveloppe. C'est une petite enveloppe. C'est trop mignon. Moi, j'en ai jamais vu de comme ça. J'ai pas vu le die. Hop, ça rentre là, comme ça. Vous voyez, hop, on tire là, là. Et hop, comme ça. Ça fait le système des attaches parisiennes. Après, on écarte comme ça. Et hop, c'est fermé. La petite enveloppe, elle est fermée. C'est original. Et c'est un petit cœur. Trop, trop mignon. Et là, alors ça. Ça fait comme des marque-pages. Ah, si, c'est des hop, comme ça, des marque-pages. Je vais faire ça. Regardez, là. Hop. Je pense que c'est des marque-pages, tu me diras, qui peuvent être utilisés pour décorer un album ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très joli. C'est un peu, on dirait un petit peu vintage. J'aime bien. Oui, parce que là, tourne-disque, là, les bottes, ça fait vintage. J'aime bien, j'aime beaucoup. Hop! C'est vraiment... gentil comme tout. Là. Et pour finir, donc la petite planche que tu me disais. Oh oui, c'est trop mignon. Alors, hop, j'ai ça là. Je vais mettre comme ça. Regardez. C'est de... comment dire, une petite planche pour faire des petites cartes de naissance ou des petites invitations pour un baptême, par exemple. Hein. C'est trop mignon. J'adore le petit landau, le petit lapin, là. Ah, c'est trop mignon. Bah, vraiment, c'est super gentil. Merci beaucoup.
trop, trop mignon. Bah écoute, Marie-Noël, merci vraiment. Mais alors, ta participation, elle est trop belle. Franchement, c'est trop, trop joli. Hop, merci beaucoup. Et là, la boîte pour le thé, alors là, ça, j'adore. Le système, il est vraiment ouais, à refaire. À reproduire parce que c'est mignon, plus c'est original. Pour des fois, pour, quand on doit faire une petite création pour des copinettes, qu'on sait qu'elles aiment bien le, comment dire, le thé, justement, les tisanes, tout ça, ben, c'est sympa. Et là, ça, c'est trop mignon. J'en ai des petites choses comme ça, en miniature, l'assiette avec tous ces... J'adorais ça, il y a quelques années de ça. J'adorais tout ce qui était miniature comme ça. Bah écoute, voilà. Donc, Marie-Noël, tu as le numéro 31. Voilà. Je vais tout remettre dans la petite boîte puisque, voilà, comme je vous ai dit, je remets tout pareil et ce sera qu'après le concours que je vais dispatcher, en fait, pour Angers, etc. Et puis, comme ça, le moment du tirage, et ben voilà, j'aurai tout de la personne qui va gagner. Voilà, j'aurai son courrier. Bah écoutez, bah ma foi, on va arrêter là, hein, c'est pas mal quand même. Là, je suis vraiment, voilà, c'est trop trop gentil. J'adore. Non mais ça, j'adore, j'adore. Donc n'oubliez pas, si vous voulez participer à mon concours, il est encore temps puisque c'est jusqu'au 31 mai. Voilà, pour ceux qui veulent et qui se disent je vais pas avoir le temps, etc. Si, 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 vous avez le temps. Hein, on n'est que le 23, je crois, on n'est que le 23 avril. Vous voyez, il y a encore plus d'un mois. Donc vous avez le temps largement de participer. Voilà. Hop, moi, comme je remets tout en place. Voilà. Voilà, voilà. J'ai remis le petit strassoui. Et voilà, je remets tout dans la boîte. Et je passe, je vais faire l'autre petite vidéo. Voilà. Donc, Marie-Noël, je te fais un gros bisou. Et vraiment, je te remercie. Merci pour ta participation et pour tes petits plus. C'est vraiment adorable. C'est gentil comme tout. Voilà. Et moi aussi, je vais aller tout à l'heure dans une jardinerie pour acheter des plants pour planter. Malgré que là, ils annoncent... ce matin, mon fils, il disait qu'il gelait, en fait. Ils avaient annoncé 1 degré. Donc, il faisait vraiment très froid. Alors, bon, on ne peut pas forcément bien encore planter les choses. Mais bon, on va aller voir qu'est-ce qu'on trouve. Quelques petits pieds de tomates, peut-être. Ou des petites choses comme ça. Voilà. Allez. Sur ce, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.